Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Dark Cloud. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va très bien. Et là, nous sommes pour la suite, la partie 5, si je ne me trompe pas, la partie 4. Partie 5, partie 5, 5, tu comptes bien. Même si c'est en fait la quatrième fois que tu viens dans l'épisode, puisque le premier épisode, malheureusement, je l'avais fait tout seul. c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ben, let's C'est go pas grave. alors. Let's go après le fait qu'ils me disent que ça. Que ça soit la nuit. Ah, en plus, hein. Voilà. On commence dans la nuit. Ouais. On va juste écouter un peu les gris-gris. Hein. Ah mais Ça fait du bien. je me demande. À mon avis, il faudra peut-être voir Claude, je suppose, parce qu'on l'a. À mon avis, il Ah dort oui! C'est mieux. vrai, l'autre là, oui. Bien vu, bien vu, bien vu. Mais j'ai peur qu'il va te donner un bête fromage, sinon bon, tant pis, hein, c'est pas si grave. Ouais. Oh! Décidément. Toan, je suis en train de me laver. Je peux te céder la place. Oui. Non, c'est ça, sans raison. Je vois. Ah, grâce à toi, je peux prendre une bonne douche chaude. Ah, dommage. Ah, une lettre près, ça aurait fait une bonne douche, Claude. Je vais te faire un cadeau. Tiens, je te donne ça. Qu'est-ce que c'est? Un savon, je pense. Un savon. Oui, c'est logique. Youpi. En fait, ça me sert à rien, je crois, le savon. Si, si, c'est pour la gélatine. Ah, d'accord. Je vais aussi te donner un peu du fromage qu'il y a là-bas. Ah, bon. C'est vrai, j'aurais préféré qu'il me donne la sucette. Ouais. Tu ne prends qu'un morceau, d'accord? Ok. Serait que la sucette, il me semblait que ça servait pour le village d'après. Oui, c'est bien ça. Bon, c'est tout. Au revoir maintenant! Mais tu peux Oui, bah oui, toujours forcément. récupérer. Tu On peux va le toujours. laisser prendre sa douche tranquillement, hein. Enfin, prendre son bain plutôt, oui. Et Bon, donc? Yvain, on y va. Oui. Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus déjà. Désolé, et puis C'est bon, pas je t'ai grave. un peu interrompu aussi. Ah, en fait, voilà, en fait, il fallait le voir au matin, mais le problème, c'est qu'il dormait, donc. C'est quand même Voilà. bizarre, quoi. Faut le voir au matin, et le matin il dort, c'est. Faut comprendre, hein. Il a Ah plus. oui, je reviens au niveau 1, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui n'avaient pas, qui n'ont pas suivi l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent. Eh ben non, il n'y aura pas de dans l'épisode précédent, vous avez qu'à regarder. Non, je plaisante, bien sûr. Ah, voilà, l'huile de wagon. Nécessaire pour Ah huiler le wagon. Rouillé. Par contre, je vois que j'ai fait mon couillon. ah, qu'est-ce que tu as fait? On va utiliser de la poudre d'évasion. Ouais. Ah, j'avais oublié de prendre une. Je pensais l'avoir pris, hein. L'aile de. La plume de Dran, je pensais en avoir pris une. Ah oui, c'est vrai. J'aurais juré en avoir pris une. Non, je ne pense pas à mon avis. Ah, j'aurais juré que j'en avais pris une. Bon. Soit, pourquoi pas, j'ai terminé, ok. Puis-je faire des achats, oui. Hop, j'en achète une. Le savon, j'ai bien envie de lui vendre. Bah ça peut toujours servir la géantine, hein. Si jamais tu es ralenti, Ouais, c'est dis pas tout. faux. C'est pas faux. Je vais prendre même deux plumes. Je te conseille même de prendre un peu de poutre en plus pour réparer tes armes. Ah oui, ouais, c'est vrai que là maintenant, ouais, j'aurai plus l'autre pour m'aider. Eh oui, et t'auras aussi besoin d'eau. Une petite bouteille d'eau. Une, deux, trois. Ce sera suffisant, hein. Oui. Et plus Oui. tard, ce qu'il faudra faire, c'est que tu achètes de la poudre réparation. Automatique. Mais bon, ça coûte un peu plus cher, mais ça on verra plus tard. Okay, mais j'ai toujours eu du mal avec ce truc de poudre en fait. Mais ça peut être pratique. Si jamais tu tues un monstre et qu'il te restait plus rien de ton âme, ben elle va se réparer automatiquement avant qu'elle se brise. Ah d'accord, ok. Mais pas au dernier moment quoi. Si, si, au dernier D'accord, moment. ok. Donc ça va. On testera, on verra ça quand on ira. Alors donc vous allez voir ce que je veux faire. Je vais prendre une plume de Dran. Je vais la mettre ici et je vais effectuer ça parce qu'il faut bien entraîner Xiao. Donc c'est parti, on est avec Xiao. Voilà, et on va se faire le premier niveau avec Xiao. Vous allez voir, hop. Vous voyez, hein. Heureusement qu'on commence bien par les premiers niveaux parce que sinon on Oui. aurait l'air con. Et Ah donc, j'ai pas oui. encore utilisé la plume, il me semble. C'est sûr qu'il y avait déjà un peu utilisé. Ah d'accord, ok.
Donc vous voyez, quand on utilise la plume, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, vous appuyez sur touche carré pour utiliser l'objet. Et vous courez quand même beaucoup plus vite, ce qui est quand même pratique. Oh, j'ai plein d'énergie. Oui, en fait, quand t'as une arme de base, tu peux toujours aller là-dedans, il n'y aura pas de souci. D'accord, hop. Donc là, exprès, je vais faire une petite astuce. Je reprends Toan. Vous allez comprendre pourquoi. Je reprends Toan. Tout simplement pour que Xiao garde son sa pleine forme, on est d'accord. Tout à fait. Voilà, c'est une petite astuce. Comme ça, pour l'ennemi, hein. Vous retournez sur Xiao. Hop. Et comme elle est en pleine forme, forcément, ses coups seront plus puissants. Mais attention, quand tu vas trop vite, quand tu reprends tout de suite le personnage, alors que tu n'as pas... Ah, c'est lui qui reprend. Le monstre n'est... Ouais, voilà. Ah ouais, merde. Je savais que c'était possible, mais j'étais plus sûr. Clac. Et hop, on reprend Toan. Oula, attention. Un squelette. Clac. Et oui, une boule sur un squelette, franchement, ça fait des dégâts. Voilà, ouais. Ça part. Ah bah. La clé. Putain. En plus, ça tombe bien, c'est Fort Boyard. Et voilà, sur un gorille, franchement, ça marche moins bien un truc, je trouve. Parce que bon, faut quand même... Il est plein de chair, forcément, donc il n'y a pas de... Je suis désolé, la boule, elle doit faire moins d'impact sur un gorille que sur un squelette. Un squelette n'a que les os, j'allais dire, la peau sur les os, mais putain... Mais... C'est la résistance qu'il a, au moins. Ouais. Ah bah, j'ai déjà tout. Hop, on sait ce qui nous attend. Ah, voilà, et on accélère. Mais ce qui est bien avec les plumes, c'est qu'elles durent vraiment longtemps. Ouais, quasiment, ouais. Je pense que au moins 3 niveaux comme ça, assez bien. Après, ça dépend de la longueur de ton niveau. Mais elles durent vraiment longtemps et c'est vraiment sympa. Ça nous aide vachement. Ah bah. Viens la tomate, gorille. Après tout, vous savez ce qu'il disait Coluche, hein. Je chanterai pas parce que je vais m'exploser la voix, sinon, hein, et sachez que je le pense très fortement. Ouais. Toi, tu peux le chanter si tu veux. Je sais vraiment pas chanter du tout. Ah, bon, ça va, on est deux alors. Par contre, est-ce que si je tue tous les ennemis et que je vais dans le wagon, est-ce que les ennemis reviendront? Non. Si. Ah, si, ah, bah c'est encore mieux, tu vois. Comme ça, il y a double ration d'ennemis. Non, j'avais pensé à autre chose aussi. Ah bon? Oui. En fait, tu pourrais plutôt passer de niveau avec Toan, mais dans les niveaux supérieurs. Il y aura des chances que tu pourrais lui trouver une arme, une nouvelle arme. Ah d'accord, donc en gros, par exemple, à partir du niveau 9. Oui, c'est bien ça. Ah ouais. Je viens de récupérer un quand même, j'ai du bol. Oui, franchement, ça, c'est le meilleur, quoi. Ah oui. Et c'est vraiment... C'est assez aléatoire, la façon dont on les récupère, quand même. Ouais, c'est ça qui est bien, je trouve ça vraiment bien, que ce soit aléatoire, que ce soit pas... Yeah. Clac. Et on utilise de la poudre réparatrice. Voilà. Juste, hein. Ouais. Vraiment à deux, quand c'est à deux, des fois ça casse. J'avais pas mis deux. Soit. Pourquoi pas. Tiens. J'hésite à faire la poudre... La poudre bleue pour son machin, son lance-pierre. On avait prévu de faire ça pour les armes plus difficiles, si je me trompe. D'accord. Pas. D'accord, ok. Autant pour moi. Tu sais, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, donc forcément... Je suis là pour te rappeler, hein. C'est gentil. Et oui, ça sert aussi à ça d'avoir quelqu'un en let's play avec vous, c'est qu'il peut s'être très utile. Yeah. Ça va, le gars qui est à côté de toi, il a fini de verser un machin, heureusement. En fait. Oui, pour l'instant, on n'est pas embêté. Je viens de recevoir un message, je le sais. Si vous entendez du bruit, excusez-moi. Hein. Et là, pour le bruit, excusez-moi, parce que c'était mon portable. Ouh, il m'a raté. PA au maximum. Bonne chose. Yeah. Bon, par contre, je vais me servir de l'astuce juste après. PA, ah oui, non, les PA c'est dans les armes, oui, n'importe quoi. Est-ce que je retire quand même l'endurance et l'agilité? L'endurance ne sert à rien de toute façon. Ouais, tu peux toujours mettre, hein, c'est pas un souci, ouais, même. L'agilité, j'ai bien envie de le mettre un peu. Non, j'y mets rien. Non. Hop, on est meilleur. Comme le vieux a dit, ce sera réduit de moitié. Voilà. Ouais. Donc, autant le.
autant laisser ça comme ça. Ouais, par contre, en attribut, j'ai rien. Non. Ouais. Moi, je vais peut-être mettre en attribut, non. Ouais, allez, hop. Oui. Autant se mettre en attribut. L'attribut du vent. Hop, on va retirer l'endurance qui sert à rien. On va mettre l'attribut du vent, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Hop. Et on va aller au wagon. Il n'y a pas mis l'attribut. Ah oui. Bien vu. Ah ouais, il pense à tout ce garçon. Je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qu'il a oublié, je serai là pour lui dire. Pour me mettre des claques aussi quand je ferai des conneries. Pas de problème alors. Bizarrement, voilà, quand on dit ce genre de choses, il dit toujours ah bah y a pas de soucis, je peux t'en mettre, hein, c'est pas grave. Bizarrement. Voilà, oui. Hop. Donc voilà. J'aurais dû prendre une autre bouteille en fait. Le wagon. Bah, y a des chances. Les roues du wagon sont huilées. Le wagon est utilisable. Et je monte dans le wagon. Il y a des chances que tu trouves de l'eau, hein. Parce que là aussi, leur carte elle change. Mmh. C'est vrai, là aussi. Ah ben voilà, il y en a un paquet. Alors... une bonne petite route à faire. Il y en a un juste derrière. Bon, ça va. Je trouve que la route est pas si terrible que ça. Bon, par contre, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a un étang là-bas, donc on va vite y aller. Hop, on fonce. Je sais, je vais perdre du temps, mais c'est juste pour la bonne cause. Oui. Bonjour les ennemis. Tu pourras toujours venir au début pour reprendre les cordes. Donc. Voilà. Bien, t'as vu, on a vu le corps du squelette, qui était un peu ouais. Jaune. Jaune. Il est rempli d'énergie, ouais. En fait. Ouais, j'allais dire, il est chinois, mais non. Non, je veux pas faire ce genre de réflexion. Non. Allez, vous voyez, hop, un squelette qui a pris le moisi, voilà. Hop. On lui achètera une moumoute pour Noël. Clac. Oh, attention, fantôme. Ah oui, il fait noir, forcément. Il y a des fantômes. Mais on peut pas sortir via un monde secondaire. Si tu peux toujours utiliser ta poudre d'évasion pour... Ah oui, mais je veux dire, on peut pas aller à un niveau suivant pour en passer par ici. Non. Voilà. Clac. Clac. Et ce qui est bien ici, en plus, ça peut augmenter ton âme plus facilement. Ah bon? Oui, ça monte de 6. Ah oui, forcément, vu qu'il y a plus d'ennemis. Je suis con, en fait. En fait, c'est pas question qu'il y a plus d'ennemis, c'est question qu'en fait, les monstres sont plus résistants. Plus tu les frappes dessus, enfin, plus ils ont... Plus tu les frappes et plus comment dire ça ouais. Vu qu'ils sont résistants, ben tu gagnes plus, voilà. C'est plus simple. Okay, hop. Faut vraiment que je fasse gaffe avec ça, moi, parce que ouais. Je vais faire avoir. Ouais. Ça, c'est juste une arme de base. Hein. Clac, je l'ai eu. Donc, ça va encore. Oh, par contre, ils sont extrêmement. Très résistants, oui. Le mieux, résistance. C'est... Le mieux, c'est se rapprocher le plus près d'eux, en fait. Pour frapper ouais. Plus. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut entraîner Xiao dès le départ. Hein. Dans les premiers niveaux, sinon t'es foutu. Mais là, ce que j'avais pensé aussi pour toi, ça pourrait être... Tu passes au niveau 9 avec yes. Toan et tu te trouves une arme. Ça peut être une autre solution aussi. Aussi, oui, j'avoue. Ouais. Ça pourrait être une solution, mais bon, c'est... De toute façon, je ferai le niveau 1, là, et le niveau 9 aussi. Peut-être même en version wagon. Ou alors je garde l'huile pour le niveau 15. Ah oh, voilà, putain. C'est intéressant. Autant la mettre. Oui, ça peut être utile, oui. Ah oui. Ça en fait, vous voyez... Si je me trompe pas. Peut-être que j'ai tort, hein. Parce que je ne sais plus ce que ça monte. Oh, On va voir. Ah non, ça monte pas l'agilité. Donc ça, il y a du froid et ça monte deux choses. Allez, du poisson et du... Volatile. Volatile. Voilà. C'est mieux que rien. Moi c'est déjà mieux. En effet. Attends, c'est quoi ça? Frappe bait. Ouais non. Donc c'est bon, on va se laisser ça. Ouais. Voilà. Hop. On va pouvoir aller choper les deux ennemis qui sont là-bas. But. But! Voilà! Ah j'adore ce mot hein. Je sais pas oui. Pourquoi. J'adore trop ce mot. Je dis bien but. Oh, avec un B. Un beau B. C'est fou comment j'adore ce mot. Et même s'il est tendancieux, ça reste avec un B.
Ouais. Bon, autant le dire, un hein, B comme. Non. Non, mieux ne rien dire. Non, non, on va rien dire. Tout à fait, tout à fait. Ils y ont cru, tu vois. Mais ils ont cru, absolument. Ils ont cru que j'allais le dire, non, mais. Oh non! Tiens! Et elle aussi, on peut la bloquer. Hein. Allez, en plus, il y avait un truc d'énergie. D'énergétique. Que tu pouvais prendre déjà. Ouh! Mais je vais le prendre, t'inquiète. Hein. Je vais juste améliorer la l'arme. Donc vous voyez déjà qu'elle est en plus 2. Hein. C'est déjà ça. Quand même sympa. Ouais, merde, j'ai oublié de remettre le machin. Donc là, ça va. On est en train de bien évoluer avec. Tout à fait. Ça me plaît bien, ça. Attention. Oh, plein d'énergie. Hop, on repart avec Toine. Hop, comme ça, elle consomme pas trop sa jauge. Espérons que t'auras des bonnes choses sur ces deux coffres là, parce que t'as pas eu grand chose. Ouais, j'avoue. Oh si quand même. Oh oui, Opal. Ça c'est déjà une bonne chose. Allez, troisième. Eh, avoir de l'Opal quand t'habites dans le nord, franchement. Ah, c'est nickel. Amulette anti-gélatine, cool, j'ai gagné de l'argent. Ouais, c'est mieux d'avoir de l'argent finalement. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur X. J'appuie sur carré, mais en fait, non, pas bien. Vu que c'est déjà fait. Oui, tout à fait. Donc je pense... Non, tu vas pas utiliser une côte évasion pour sortir d'ici, je suppose. Bah, tu pourrais le faire pour gagner du temps. Bah, c'est comme tu le sens. Si jamais ouais, si on passe à un niveau supérieur. Hmm. Donc je me dis, tu pourrais toujours trouver une arme pour elle. Et en même temps, améliorer le petit lance-pierre pour la mettre sur la nouvelle arme. Ça pourrait bien aider aussi. C'est pas faux, pourquoi pas. Tcha! Tcha! Tiens, tiens, deux coups. Ah mais attends, il... parce qu'il y a l'autre là qui me gêne. Tac, on a un coup. Donc on va se diriger tout simplement vers la sortie. Là, on va pas s'emmerder. Ah ben voilà, la sortie qui prend du sang. Clac, en deux coups, hop. On va pas s'en. Oh, il est là, voilà. Hop, de toute façon, le machin il va vite disparaître, donc c'est autant partir. Voilà. Hop, on se casse. On prend la porte et on. Enfin, on sort, tout simplement. On sort. Hop. Enfin, on sort, on sauvegarde, on re-rentre, non? Bah, tu vas peut-être acheter des trucs en surplus. Vu que t'auras un peu plus de sous. Un peu d'eau, oui. C'est vrai. Ah, le matin, ouais! Ça passe vite quand même. Hein. Aïe, vous pouvez passer vite chez nous aussi. Ouais, non, quand même, les week-ends passeraient beaucoup trop vite. On va éviter quand même. Hein. Oui, oui. Quand même. D'ailleurs, je le redis aussi dans cette vidéo. Enfin, même toi, tu le dis d'ailleurs. On est surpris que le let's play vous plaît autant en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Personnellement, je pensais pas que ça allait autant plaire, mais en fait. Ils ont l'air d'apprécier, mais alors vraiment pas mal. Donc on vous remercie. Pourquoi ça m'a l'air de dire tout le temps je. On vous remercie, ouais, vraiment. Ça on va le garder. Ça on va le garder. Ça on va le vendre. Ça tu peux vendre. Le minou, je pense que tu peux vendre aussi. Ça sert à non, rien. Le minou, non, je préfère le garder. Ouais. Ça reste toujours un appât à poisson, moi je dis. Non. Ouais, mais moi je me suis jamais servi hein, de cet appât-là. Pourtant, moi j'ai eu le rare, pour te dire, mais... Non, c'est comme ah, plus. D'accord. Ok. Ok. Tu veux pas acheter de l'eau? Je vais déjà récupérer deux petites bouteilles. Un petit peu plus d'eau, du pain, c'est bon, les baguettes, réparasses. Le gratos. Tu peux peut-être déjà acheter une poudre verte pour voir quel effet ça pourrait donner. Poudre coûte... auto-répar... Putain, 200. Ouais, mais c'est vraiment un bon truc si jamais t'as vraiment les gros problèmes. Ok. Je te fais confiance. Y'a pas de soucis. Et je peux même prendre une petite poudre blanche. Et la poudre grise là. Ah oui, ouais, mais dans ce cas-là, je vais acheter une poudre de remplacement. Ouais. Si jamais, par exemple, il te tue en un coup, t'as une seconde chance de revivre. Certes. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Donc bon, là, on voit qu'il y a pas mal de choses. On voit ça. Donc c'est à partir de là qu'on pourra avoir des armes. Hein. Donc regardez, le gratos, il me le vend pour un et la dague pour 175. Mais il la vend pas selon la puissance de l'arme, si? Non.
Voilà, l'arme elle peut être au niveau 100, il s'en fout quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Mais je pense pas que tu Salut peux. toi! Non. Non. Je le trouve, je le garde! J'allais dire la même chose. Voilà, non, je suis désolé, non. Salut Minimako! Monamako! Ah oui, voilà ce que je voulais faire, c'était enregistrer. C'est bien ça. Sur celle-là, voilà. Ting. Eh ben on y retourne, écoute, hein. Tout à fait. On Mais en là, est à je... 20 minutes. il serait mieux d'avancer pour que les autres voient Ouais, un petit peu ce qui quand peut même, avoir. ouais. Et Que en vous plus, ayez un peu d'inédit. voilà. Et comme ça, il y a plus de chances que tu trouves une nouvelle arme. Voilà. Croisons les doigts, une arme pour Xiao, hein, pas pour Tout à fait. Toan, même si on dirait pas non. Enfin, ça dépend. Ouais, ils sont pas trop terribles les armes ici pour toi. Vu que t'as déjà Oh tout le putain! plus important. Oh là là! Non! Ouh Je suis revenu un là peu trop vite. là. C'est Merde, je pas. voulais essayer de faire un 2 en 1, tu vois. Mais ça n'a pas voulu. C'est pas toujours évident, je dois l'avouer. Ah, endurance, cool. Bonne chose. C'est mieux que rien. Tout à fait. Tiens! Hop! Donc là, si vous pensiez que Xiao pourrait faire ça, eh ben non, Xiao ne peut pas toucher la sphère. Hop, il n'y a que Toan qui peut. Et oui, parce que Toan a l'Atlamilia. Eh oui. Youhou! Une salle, youpi. Donc si jamais Toine meurt, ben... Il y aura on est toujours obligé. Xiao. Il y aura toujours Xiao, mais le On problème c'est pourra que... rien faire, voilà. Putain, mais je gagne des trucs pourris, une salle, des arbustes. Que les trucs qui servent à rien. Ah, qui Maison sait? de l'aura, bon, ça va. C'est déjà un peu plus intéressant. Ah bah, vous voyez, hop! Qu'est-ce qu'on ferait sans Xiao, hein? Des choses, mais voilà. Hop. Tiens, tiens, tiens! Voilà, hop. Fais attention avec les fantômes, hein. Parce que si tu te fais toucher, ils te lancent un mauvais sort, si je me trompe pas. Yeah. C'est pour ça les fantômes et les trucs volants, je préfère les faire avec Xiao. Ah oui, c'est Moi, plus grave. après, il y a des trucs qu'il faut absolument faire avec Xiao, ça c'est clair. Par exemple, comme les hommes en fer, tu peux aussi faire avec Xiao si elle était un peu plus forte. Ça te ferait gaspiller moins ton arme. Ouais. Mais. C'est mieux de le faire quand même à ce moment-là. Ah oui, j'avais oublié de te dire, les poutres réparatrices et la poudre blanche, tu peux directement sur la mettre sur les trucs actifs où t'avais mis ta plume de grand. Ah bon? Ah c'est par là qu'il faut. C'est là qu'il faut la mettre en fait. Oui, c'est vrai, oui. Ok. Ah ben justement, tu vas faire un test. Voilà. Voilà. Tu mets la poudre blanche. Ok. Ok, voilà. Là, c'est bon. Bon, faut pas que j'appuie sur carré par contre. Non, y a pas de soucis. Ici, tu vas faire un test. Tu vas utiliser toute ton arme. Tu vas voir Ouais. si la... Vas-y. Essaie de T'es tuer. sûr, hein? Oui. Ton arme sera Attends, je toujours vais là. aller plutôt sur un autre ennemi. Bon, tant pis, pas le choix. Voilà. Et ton arme se répare Ah automatiquement. ouais! Ah c'est cool! Mais bon, le problème, c'est que la poudre disparaît après. Donc, il faudrait en acheter d'autres. Si jamais c'est en cas Forcément. de Mais c'est nécessaire. chiant quand même, hein. Parce que c'est cher quand même. C'est cher, mais très utile. Si jamais... Ouais. Et je préfère perdre du temps plutôt. Ouais. Non! Il a voulu me lécher avec sa langue en bois là. Et la poudre blanche, ça te donne une seconde chance. D'accord. Ah ça oui, la poudre blanche, ouais, je m'en suis beaucoup servi. Ouais, c'est Je m'en suis pas beaucoup mal. servi autrefois, oui. Une lampe, youpi, encore un truc qui sert à rien. Waouh, les premiers coups. Ouais, maintenant, je pense qu'à mon avis, ils ont que 21 points de vie. Ce que tu as Oh, fait. génial, c'est vrai, Attention. On va la. Hein? Ouais. On va réparer tout de suite, c'est mieux. On va réparer. Vos yeux. Ouais. Clac. Cette arme n'est pas très résistante, c'est ça qui complique Ouais. les choses. Au choix, il y en a trois. Ah, ça va. Ils auraient pas été l'un à côté de l'autre, c'était quasiment sûr. Pierre de foudre. Ah! Moi, ça peut être pour certains monstres. Putain, c'est pas possible. Pourquoi encore eux? Ah, ils sont chiants. Maman, pourquoi? Maman de Toine plutôt, pourquoi? C'est sûr. Oh non, hé! On va pas déjà expérimenter la poudre blanche? Ah, ce serait bête. Et je vous rassure, la poudre blanche, c'est pas de la drogue, hein.
On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas vraiment ce qu'il pourrait avoir dedans. C'est vrai, on ne sait pas ce qu'il y a dans les poules. Hein. Je vous déconseille de goûter aussi. Une nouvelle lampe. Putain, mais je récupère que des trucs pourris, sérieux. Vas-y. Au moins, tu manqueras pas de lampe si jamais. C'est pas faux. Mais c'est pas les trucs les plus utiles non plus. Ah, non. Le tricycle. Bon, c'est pas non plus un truc utile non plus. Paige, ah. Oui, c'est la petite fille. Non. Paige, on va voir tout de suite qui c'est, bien sûr. Clac. Tiens, sale ennemi. Il a coffret. Oh. Je ne peux qu'adhérer à cette blague, j'avoue. Bravo. Merci. De rien. Merci à toi, Luzon, de m'avoir livré une blague comme ça. Ah ! Une clé de coffre. Ça peut être pratique, mais ça peut être aussi pratique pour vendre aussi. Moi, pour te dire, je pense que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de vendre. Non, je préfère. Ah bon ? Oui, ça te donne quand même 400 pièces d'or. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, on va pas rechigner sur l'argent au départ. Hein. Voilà. Ouf, ça va, j'ai enfin quelque chose. Bon, je crois que c'est la carte. Ah non. Pomme arsenic, voilà. Donc ça, c'est la pomme de... Ah, de fait... Regina, voilà. Hop, donc maintenant qu'on va récupérer ce petit machin, on va pouvoir partir. Sale. Ça peut être pratique pour empoisonner un ennemi qui est chiant, mais surtout, ne mangez pas cette pomme. Ah non. Ou à la limite, si vous avez envie de vous suicider, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas non plus. Voilà. Et dans le pire, évitez quand même. Hein. Voilà. C'était le conseil du jour. Le conseil qui sert à rien, mais c'était le conseil du jour. Hop, ah, là. Hey. Donc on va sortir parce qu'on a eu quelques trucs intéressants. Oui, toujours mieux sortir que commencer directement à niveau. Au bas, on peut réenregistrer du coup. Sauf si maintenant tu es trop sûr de toi. Ça peut le faire aussi. Ouais, non. Tu me connais, je suis pas quelqu'un qui est sûr de soi en général. Hein. Alors, maison de Laura, on va la placer. On va la placer ici. Même si elle est pas d'accord. Alors, une tante avec une petite fille. Donc là, forcément, c'est une jeune fille un peu collante. Pourquoi elle a de la glu, je sais pas. Une jolie fille du même âge que Tohan. Donc forcément, quand on dit maison de Paige et qu'elle s'appelle Paige, hein, je vous le donne en mille, c'est Paige. Ah ben, justement, elle, tu pourras finir la maison. Et tu vas savoir pourquoi, en fait. Ah. Ok, mais elle était assez intéressante. Ah, je sais pas si je peux l'utiliser, l'échelle. Ouais, tu peux l'utiliser. Bon, on va attendre. Hop, on va déjà leur coller quelques arbustes. Histoire d'avoir une plus belle... un plus beau village, parce que bon, c'est quand même pas une ville non plus. Hein. Hop, voilà, et les ponts. On s'en fout des ponts. Voilà, bon, vous voyez, tout ce que j'ai récupéré, c'est des trucs géniaux quand même. Voilà, hop. On va faire un tour dans la maison de... Itch. De Laura. Ah, de Laura. Ouais. Ah bah, il y a un truc ici. Tac. Gourde. Très utile. J'ai trouvé une gourde. On devrait lui parler après, la gourde, justement. Non, je suis méchant avec... avec Paige, quand même. Un peu de respect pour la copine de Tohan, hein. C'est l'une vrai. Des l'une des copines de Tohan, quand même. Surtout que le pauvre, il est muet, quoi. C'est pas évident pour lui. C'est clair. Ça doit pas être pratique quand même. Hein. Ah. Il y a un truc chez moi. Fruit d'Eden. Oh putain. T'avais dit que je faisais ça tout en dernier pour avoir tout. Ouais, mais du coup, t'as moins de vie aussi. C'est vrai, mais ça peut être pratique. Ok. Ah ouais. Ma journée vient de... Et je pense dans la maison du maire, je pense qu'il y a un objet en plus. Ah, bon, on ira voir. Donc là, je vais enfin pouvoir récupérer ce coffre qui m'agaçait depuis tout ce temps. Voilà, frappe bête. Et je pense qu'il y avait une bombe aussi, non ? On va parler à la bête, justement. Salutations ! D'après toi, quel est le plat préféré d'Alnet ? Aucune idée. Voyons, l'emplacement de la maison, j'aimerais bien qu'elle soit près de bonnes odeurs. Bon, on verra. Hein. Quoi ? Je t'ai déjà donné quelque chose ? Et alors, je m'en fous, moi, je veux autre chose. Donne-moi ta sucette. Voilà, je veux ma sucette.
I want the sucette. Qui c'est que je voulais voir? Ah oui, Paige, bien sûr. Putain, c'est déjà l'après-midi. Eh, mais ça passe trop vite, vas-y. C'est sûr. Et encore, t'as pas mis la vitesse rapide, hein? Ouais, c'est vrai, là, vous avez même pas le temps de bouger. Ah bah, bonjour, Paige. Voilà, ça, c'est Paige. Hop. Toan, tu es vivant. Je m'inquiétais. Je croyais que quelque chose t'était arrivé à cause de moi. Dieu merci, tout va bien. Tu fais vraiment bien, hein? Ouais, bon, maintenant je vais éviter quand même. Hein. Toan, je te trouve changé, comme si tu étais plus fort. Peut-être que mon imagination me joue des tours. Salut, même pas, j'ai même pas le droit à un bisou, tu vois. C'est vrai, ça. Je ne sais pas, il vaudrait mieux que tu demandes à mon père. Voyons, je pourrais te donner quelque chose d'utile pour ton aventure. Toan, ta bourse n'est-elle pas trop petite? Ah. Oublie pas la lampe, j'ai peur la nuit sans lumière. Voilà pourquoi les lampes, c'est important. Voilà, oui. Ah. Poisson sucré. Ah. Ça peut être pratique aussi. Ah, c'est pas que ça peut être pratique, c'est que ça va être pratique. Donc, hop. Oula. Donc, on va pouvoir refaire son bidule. Donc, elle nous avait dit, hein, elle veut une lampe. On lui donne une lampe. Voilà, hop. Il y aura une scène. Je vais aussi également faire la petite chose ici, là, hein. Bon, c'était quand même des trucs utiles. Oui. Alors on avait... On va mettre dans l'ordre, voilà. Alors la gourde, bon bah il n'y a pas le choix du coup, hop. Une pour Toan. Et tout de suite. Voilà, une pour Toan et une pour Xiao. Vous voyez, hein. Ça remplit l'eau et ça le met une en plus. Là par contre j'ai le choix. Là, moi je mettais toujours le roux un petit peu plus supérieur aux autres. Le roux? Non, le héros. Ah, Toan. Oui. Ah d'accord, ok. Moi je faisais comme ça, je mettais que le héros avait toujours 10 points de plus que les autres. D'accord. Je faisais toujours ça. Enfin là, c'est à 60 points de vie, donc c'est pas beaucoup, j'ai bien envie de lui en mettre 10. Mais comme Toan est plus touchable, on va dire, on va lui en mettre 10 points de plus. Oui. T'es d'accord? C'est toi qui vois, hein. Allez, hop, voilà. De toute façon, on va en récupérer d'autres au fil de l'aventure, hein. Voilà. Et le poisson sucré, c'est ce que préfère Xiao, donc ça lui améliorera sa défense. Ah, parce qu'une défense de 1, putain, c'est pas utile. Hein. 7 points de défense quand même encore. Ah ouais. Il faut que ce soit rentable quand même les poissons. Hein. Oula. Cinématique. Toan. Oui. Ça fait plaisir de te voir, je t'ai fait une nouvelle bourse. C'est pour toi. Volonté. Yeah, trop la classe. Voilà, terminé. Tu vas pouvoir y mettre plein de choses, non? Tu peux emporter 60 articles. 10 de plus. Ouais, c'est vraiment pratique, franchement, le jeu, elle est bien utile. Je te souhaite bonne chance, Toan. Fais pas un petit câlin avant? Putain, mais mon bisou. Et un petit câlin. Eh, vas-y, Xiao, à peine elle me connaît, elle s'accroche déjà à moi. Ça, c'est sûr. Oh non! Il serait peut-être jaloux, ça, qui sait? Jalouse d'un chat? Jalouse d'un chat? Ah, attention, hein, on peut être jalouse d'un chat ou... Attention, hein, pas quoi, hein. Oui, c'est pas faux. Si par exemple, tu as un chat près de toi et qu'il y a ta copine qui t'organise et qui reste plus le chat, à mon avis, ta copine va être jalouse, hein. Oui, c'est pas faux, oui. Et vice-versa, bien sûr, hein. Hop. On grimpe, on sait jamais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ah oui. Bah oui. Attaque. C'est le pire, c'est que je suis rentré dans ma maison, je sais même pas pourquoi. Il y avait aussi chez les machos aussi qu'il y a encore des objets. Ah bon? Ah, oui, encore des objets. D'accord, bon, je te crois, t'inquiète. La maison de l'orage, je l'avais fait, hein, il me semble. Oui, c'est bien ça. On et aussi, c'est pas quelque chose qui est en dehors. Non, ça va. C'est donc dedans. Allez! Et on est à 35 minutes finalement, pile poil. Ils ont donc. Ah ouais. Un petit coffre là. En l'occurrence. Et dans la pièce à côté. C'est une agilité. Il y en a un de l'autre côté aussi, près du lit. L'autre lit. Ou pas? Si, si, l'autre lit, il y en a un aussi. Ah bon? Ah ouais. Bah on l'avait vu. Il n'y en avait pas. Là, il est là. Ah ouais, mais quand je peux l'atteindre?
Mais je pense que tu sais passer. Voilà. Ok, attaque plus 2. Oh yeah. Je vous dis, mais merde, comment on peut l'atteindre? Mais non, ça va finalement. Il y a toujours moyen. Ouais, oui, il y a moyen. Et on va aller donc dire bonjour au maire, hein, comme tu l'as dit. Bon, on va dire bonjour à monsieur le maire. Si je me trompe pas, normalement, il y avait un troisième objet, ou même peut-être 4, c'est possible. Parce que je me souviens de 2 sûr, mais alors de 2 de plus. Ah oui, c'est vrai, sur les tables. Il y en a 2. Ah ben voilà, il y en a 4. Fouiller d'elfes, forcément, c'est des trucs très utiles. Et l'amulette anti-sort, on va pouvoir vendre. Il y a rien d'autre, hein, cette fois. Non, je pense pas, je pense que c'est bon. On verra plus tard, peut-être au cas où. Salut, toi! Comment ça se passe, toi? Comment te débrouilles-tu dans la grotte? On dirait que le magasin de Jules est ouvert. Tu vas acheter tes objets là-bas, à partir de maintenant. Non! Tu ne peux pas toujours te reposer sur moi! Oh, pourquoi pas? Génial. Bon, je repars la tête baissée, forcément. Si. Je suis déçu, moi, je suis... Voilà. Ouais. Je pensais qu'il allait encore donner des trucs... qu'il allait me donner encore plein de trucs gratuits, mais non. Ah, ça, c'est dommage. Eh ouais, hop. On va se quitter sur cette superbe vue, quand même. Hein. Voilà. J'avoue que le décor est quand même magnifique. Ça, il n'y a pas à dire. Hop. On écrase. Et on va l'écraser aussi tout court, puisqu'on va on va vous laisser, voilà. On vous dit au revoir, merci d'avoir regardé, on se retrouve dans une prochaine vidéo. De toute façon, bisous bisous, merci de nous suivre, au revoir. Salut.